Après avoir rendu un hommage aux morts au cours de la Deuxième Guerre mondiale et pour nous, pour ceux surtout de la Première Guerre mondiale, en ce 8 mai 2016, 71e anniversaire de la victoire, et sans oublier cette deuxième guerre mondiale qui a fait, je vous le rappelle, 60 millions de victimes, dont 40 millions de civils, je vais vous parler aujourd'hui d'une chronique, disons, d'un événement qui s'est déroulé sur notre commune et qui a été un peu oublié par le temps. C'était la rafle du 26 août 42 à La Mure. Dans l'histoire de La Mure, la période de la Deuxième Guerre mondiale 39-45 n'a pas laissé de traces, permettant aux générations suivantes de connaître ce qui s'est passé dans ce village des Basses-Alpes. Les archives communales n'en conservent rien et l'importante bibliographie sur la résistance dans le département ne mentionne pas de faits dans notre commune. Pourtant, un événement largement méconnu est venu marquer cette période, c'était la rafle du 26 août 42. Elle constitue une page noire de la vie de la commune que cette chronique veut sortir de l'oubli. À l'été 42, la France est coupée par la ligne de démarcation et vit sous le régime de Vichy, du maréchal Pétain et de son gouvernement. Au nord, l'armée allemande occupe le pays. Les 16 et 17 juillet, la rafle du Veldiv a frappé 13 152 juifs étrangers et apatrides, ayant fui le régime nazi et réfugiés en France. Parmi eux, 4 115 enfants. C'est la police française, sous les ordres de Laval et de Bousquet, qui a procédé aux arrestations. Au sud, en zone libre, le régime de Vichy impose ce qu'il appelle l'ordre nouveau. Au terme des accords Bousquet, Heydrich, chef de l'Office central de la sécurité du Reich et adjoint d'Himmler, dirigeant des SS, les préfets avec la police et la gendarmerie française sont chargés de livrer aux Allemands 10 000 juifs. Au petit matin, à 4h45, selon le procès-verbal de gendarmerie numéro 137 de ce mercredi 26 août 42, les gendarmes Margaria Michel et Morin Joseph, gendarmes à la résidence de Saint-André, se présente à La Mure en vertu de notre uniforme et conformément aux ordres de nos chefs, en vertu d'une réquisition de Monsieur l'intendant de police de Nice. Il s'agit des ordres en fait du préfet des Alpes-Maritimes, Ribière, pétiniste notoire et dont dépendait le préfet des Basses-Alpes pour les questions juives. Il applique avec zèle les instructions de Bousquet, directeur de la police nationale. À 4h45, les gendarmes procèdent à l'arrestation de Bert Andermann, 33 ans, né le 25 avril 1909 à Lancy, en Autriche, puis à 5h10 à celle de Félix Andermann, 42 ans, tous deux cultivateurs à La Mure, qui sont invités, selon leur rapport, à se munir de quelques bagages à main, victuailles et linge, et à les accompagner au bureau de la brigade de Saint-André. Le rapport de brigade précise que l'examen des bagages n'a rien fait découvrir de suspect. En effet, les instructions données aux gendarmes demandaient de vérifier que les interpellés ne disposaient pas de produits susceptibles de conduire au suicide. Les deux procès-verbaux indiquent encore qu'ils ont été transférés par le train de 16h54, comprenant un convoi de juifs se rendant de Digne au centre de rassemblement de Nice, à la caserne Ovar. Ces arrestations de La Mure ne sont pas isolées. Elles participent de ce qui restera comme la rafle du 26 août 42 dans les Basses-Alpes. Ce que nous apprennent les procès-verbaux de gendarmerie, la rafle est qualifiée de mesure administrative selon la terminologie de la politique de Vichy concernant les juifs et autres « indésirables ». Entre guillemets. Les procès-verbaux précisent aussi qu'ils sont de nationalité ex-autrichienne, ce qui découle de l'Anschluss, c'est-à-dire l'annexion dès 1940 de l'Autriche par le Reich allemand. Sur Berthe Entremann, née Mottner, lit et écrit le français. Elle est titulaire d'un permis de séjour valable du 4 septembre 1941 au 21 septembre 1942, lui donnant ainsi le statut de réfugié non-travailleur. Elle est entrée en France le 13 novembre 1938. Elle est décrite comme de religion catholique et de race juive. Sur Félix Andermann, le même jour à 5h10, Félix Andermann est également arrêté. C'est un opticien autrichien réfugié en France avec Berthe. Il a été engagé volontaire dans l'armée française. Les raflés, pardon, ont été conduits à la gendarmerie de Saint-André. Ils y ont retrouvé Hildegarde Stessel, 31 ans, ouvrière agricole chez M. Planquart, exploitant forestier et agriculteur à Saint-André, ainsi que Maximilien Cohn, bûcheron à Saint-André, également arrêté ce 26 août. Tous sont transférés à Nice par le train de 16h54 à la caserne Ovar, sinistre lieu qui est avec le camp des villes
l'autre antichambre de la déportation dans notre région. Ces hommes et ces femmes ont été déportés par le convoi numéro 29 parti de Nice à Saint-Roch le 7 septembre, par Marseille, La Blancarde, Lyon, Drancy. Leur périple s'achèvera à Auschwitz. Les témoignages locaux nous apprennent que les époux Andermann habitaient dans la maison Coulée, devenue ensuite maison Jobert, en haut de la rue que nous appelons aujourd'hui rue Tranquille. On doit relever que comme nombre de réfugiés de la période 33-38, Félix Andermann et Frédéric Kohn avaient été engagés volontaires en 39 dans l'armée française et que c'est l'État français qui les a livrés à l'occupant. Les différentes catégories des réfugiés étaient alors considérées comme une population dangereuse et indésirable. Certains ont été regroupés dans des camps, comme ceux de Carmejane, Bradas, Lémé, Reyan, Sisteron et autres. Parmi eux, nombre de républicains espagnols. Le département des Basses-Alpes a connu au moins 14 camps ou sites d'internement d'étrangers, juifs et autres indésirables, syndicalistes, communistes ou etc. D'autres ont été assignés à résidence. La fiche de police de Félix Andermann indique qu'il était assigné à résidence par lettre du préfet du 18 mars 1942. Sans disposer des archives de la préfecture des Alpes-Maritimes sur les assignations à résidence faites dans le département, nous savons que celle-ci avait pour but de les localiser, car Félix et Berthe Andermann étaient déjà à Namur. En effet, les époux Andermann s'y sont mariés, à Namur en 1940. En 1941, ils émargent sur l'état de remise des cartes d'alimentation, le 28 octobre. Une autre carte pour les textiles adultes aura été remise le 29 juillet 1942. Étant délivrés par ordre alphabétique, leur carte porte d'ailleurs les numéros 1 et 2 de la liste communale. La demande de libération par une lettre datée du 31 juillet 1942, mais dont il faut penser qu'il s'agit du 31 août, M. Bertin Mistral saisit le directeur de la main-d'œuvre des Basses-Alpes. Arguant de sa situation familiale et des besoins liés aux récoltes, il demande la libération de Berthe et Félix Andermann, soulignant que leur conduite n'a jamais donné lieu à critique. Bien au contraire, la population de Namur leur a témoigné jusqu'à ce jour de l'intérêt et de la sympathie. Elle nous permet de savoir que les époux Andermann est employé chez Bertin Mistral depuis plus de 2 ans. Ces archives nous renseignent également sur le traitement administratif de la demande. Ils se sont mariés donc le 28 novembre 1940 à 18h en la mairie de Namur, par devant Marius Trotabas, adjoint, officier de l'état civil par délégation du maire empêché, Berthe Mottner, réfugiée ex-autrichienne, opticienne, célibataire sans enfant, épouse Félix Andermann, également réfugié, ex-autrichien, opticien, célibataire et sans enfant. Les témoins de cette union sont Bertin Mistral et Gustave Coulet, qui était épicier à l'époque. Cet acte est un témoignage de la place qu'ils ont au sein du village. Le premier témoin, Bertin Mistral, est leur employeur, et le deuxième témoin était l'épicier de cette commune. Les témoignages locaux assurent également qu'à l'école de Namur, une fillette était scolarisée qui habitait avec Berthe et Félix Andermann. Qui était-elle? À quelle date était-elle à Namur? Pendant combien de temps? Autant de questions auxquelles nous n'avons pas de réponse, aucune archive de l'école de Namur ne nous étant parvenue à ce jour concernant cette situation. Ce même 26 août ont également lieu 2 arrestations à Saint-André. Maximilien Kohn, donc, qui était né le 10 octobre 1899 à Brzeszów, au sud actuel de la Pologne. Il est arrivé régulièrement en France en septembre 1939, a servi dans l'armée française, dans l'artillerie, et il est démobilisé le 12 juillet 1940. Il habite Saint-André, rue du Milieu, il est bûcheron. On précise même qu'il était au tarif de 70 francs par jour. On notera qu'il est marié et père d'une petite fille de 18 ans, Edith, dès le 6 mai 1924 à Vienne, en Autriche. Il est arrêté ce 26 août 1942 et transféré à Nice. Et au centre de rassemblement de Nice à la caserne Ouvard, il est déporté pour Auschwitz par le convoi 29 en même temps au départ de Drancy le 7 septembre 1942. Le sort de son épouse Grete et de sa fille nous est inconnu. Son nom est inscrit sur les murs des noms du mémorial de la Shoah. Hildegard Ezel, ouvrière agricole chez M. Plancard, exploitant agricole et forestier à Saint-André, née le 10 juillet 1911 à Grasse, elle est arrêtée le même jour. Et connaîtra le même parcours du train de 16h55 pour Auschwitz. Dans le département, le même jour, il y a eu 13 arrestations au mai, 10
7 à Fort-Calquier, 3 à Dauphin, 14 à Digne, 2 à Thouars, 1 à Castellane, Frédéric Fenner, 1 à Colmar, Rabinovitch Hetman, qui était lituanien, 3 à Nantes, 1 à Manosque, 2 à Gréou et 3 à Moustier. Ce 26 août 42, donc, la rafle, soigneusement planifiée, a soumis ses hommes et ses femmes à cette mesure administrative de l'État français. Le 11 novembre 42, Allemands et Italiens franchissent la ligne de démarcation et les Basses-Alpes passent sous occupation italienne. De novembre 42 à novembre 43, malgré les protestations des autorités françaises, les autorités militaires italiennes vont assurer la protection des Juifs, de toute nationalité, français y compris. Voilà en gros ce discours qui n'en est pas un, a été réalisé par mon prédécesseur et dernièrement complété par le directeur départemental des archives des Alpes de Provence. Ça fait partie des gens qui ont disparu et qu'on n'a pas répertorié sur les monuments aux morts ou ailleurs.